Les ch'tis sont là. Les ch'tis repartent à l'aventure et se lancent à l'assaut de la ville la plus glamour du monde. La ville de toutes les stars, où les rêves peuvent devenir réalité. Hollywood. Les ch'tis sont à Hollywood. Ils ont 2 mois pour faire leurs preuves et imposer la ch'ti touch dans le paradis des stars. Seront-ils à la hauteur de Hollywood? Notre objectif, c'est déjà de réussir dans notre domaine. On a l'envie, on veut bosser dans n'importe quel job, on est motivé. Le niveau est là. Pour les aider à faire de leur rêve une réalité, les ch'tis auront une bouqueuse de choix. Bonjour. Voilà. Paris Hilton. Bonjour. Don't cry. Waouh, notre bouqueuse, c'est Paris Hilton. Paris Hilton. Shogun Tuna. This is how. Entre strass, paillettes et glamour... Eric Dane, A Grey's Anatomy. Oh, ils vont découvrir que derrière les tapis rouges de la capitale du cinéma et des people se cache un monde de compétition. The 3 keys to success in Los Angeles are to work hard, have a great attitude, and never give up. Plus que jamais, Los Angeles va mettre la famille des ch'tis à rude épreuve. Cette aventure, t'es plus la même, je te reconnais plus, gueule. Bah, c'est la même chose que je pense de toi aujourd'hui. Ah. Salut Vincent. Bah, je te dis pas bonjour Christopher. Ouais, j'essaie, mais moi. Non, mais vraiment, je te dis pas bonjour Christopher. J'ai fait toute la route tout seul et tout, et ça m'a vraiment pensé à tout ça. Il est quand même mon témoin. Franchement, c'est des bons faux culs quand même. Mais c'est une histoire de clan. Quand on dit que les ch'tis, c'est pas une famille, c'est vrai parce que. Bah oui, c'est pas une famille. Et oui, je dis la vérité, les ch'tis, c'est pas une famille. Dans cette ville incroyable, les têtes de certains vont tourner et mettre en danger le reste du groupe. Ferme ta Qu'est-ce qu'il y a? Certains vont devoir renoncer à leurs rêves. Carlton est vraiment. Il a fait sa valise et il parle. D'autres, au contraire, vont y connaître la consécration. You're a star. Il y a tout qui marche. Je suis heureuse dans tout ce que je fais. Mais Hollywood va parfois refermer son piège sur les couples amoureux. Vincent, c'est une nuit. Si t'as pas confiance en moi, Vincent, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble. C'est fini entre nous, it's over. Et parfois aussi rapprocher les cœurs célibataires. Allez. Entre tension et amour, les ch'tis vont vivre des expériences incroyables auxquelles ils n'auraient jamais osé rêver. Ils vont connaître des fous rires mémorables. La famille des ch'tis sera à jamais transformée et ils en garderont des souvenirs inoubliables. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires. La famille. Christopher. Wow, c'est Christopher. Quoi? Christopher. J'ai envie de dire, casse-toi, prends la porte et fais-moi pas chier, bouge quoi. Salut Vincent. Je te dis pas bonjour Christopher, c'est juste que je peux pas. Même si Christopher, voilà, il nous a fait des choses pas bien, et ben au fond non, on l'aime quand même. Christopher, il fait partie de notre famille. J'ai de la rage contre lui, je lui parlerai pas, ce sera mort. Ya yeah, Hollywood. J'ai vu Hollywood. T'as vu? C'est comme dans les films. Ça te fait quoi alors? J'ai fait un vœu. C'est quoi ton vœu? C'est pas de te marier avec Tricia quand même? Un autre rien du tout. Ok, je suis à Hollywood, à Los Angeles, machin, c'est beau. Mais moi, j'arrive vraiment pas à pardonner à Christopher. C'est une question de temps aussi, ça m'étonnerait que ça dure, éternellement. C'est aujourd'hui mon shooting photo, je vais devenir l'égérie d'une marque. Vendre du rêve. Là, c'est juste pour le choisir. Ah non. J'ai mal au cœur pour Vincent, en fait. Il est en train de me toucher, le gars. Vincent ne serait pas d'accord. Sa réaction va être assez choquante.
Un peu d'élégance. Je rentre à la villa. La première chose que j'ai envie de faire, c'est voir ma chouchou Hilary. Alors, t'as bien aimé? Ouais. Oula, c'est-à-dire? T'as fait tes photos avec des mecs, c'est ça? Avec un garçon. Non, je te jure, non, mais j'ai rien fait de mal. Bon, ouais, ça va aller. Non, mais je sais, non, j'ai rien fait de mal. Voilà, c'est ce que je suis professionnel. Si je l'ai fait, c'est parce que. Elle était gérée d'une marque. Elle est gérée, pardon. Non, mais vraiment? Bah ouais, mais arrête. Hé, Vincent. Hé. Faut se détendre, hein, ça va aller. Et je sais pas, en fait, je commence à péter plomb, tout le monde fait, mais non, mais c'est pro, c'est pro, c'est pro. Ben alors, mais laissez-moi faire, c'est mon couple, mêlez-vous de votre cul, vous connaissez? Votre cul, ça à vous? Ben alors, Hilary, ça à moi, donc démerdez-vous, cassez-vous. C'est juste que j'ai pas l'habitude que quelqu'un la touche et pose en photo avec elle, c'est tout? Quelque chose. Elle a demandé si elle était vulgaire, on lui a dit non, qu'elle était jolie. Après, le mec, il était là, nous, on a dit, ça va pas plaire à Vincent, elle avait le choix de le faire ou pas, c'est son truc, elle voulait faire ses photos, ben elle l'a fait. C'est chiant, en fait, de toujours devoir se justifier, se dire 100 fois la même chose. Et si je l'ai fait, c'est parce que c'est pour poser sur le magazine et tout. C'est pour la marque, vraiment. Mais tu m'aurais mis avec un garçon pour faire un book photo ou quoi que ce soit, je l'aurais fait toute seule. J'ai pas besoin de poser avec un garçon. Avec toi, ça m'aurait fait plaisir. Mais là, j'étais mal à l'aise à côté de lui. Mais si je l'ai fait, c'est pour le truc. D'accord. Là, franchement, mais je me suis décomposé, mais pourquoi, j'en sais rien, mais je me reconnais plus. Je sais pas, j'ai... En fait, elle me l'a dit, je suis parti dehors et j'ai pleuré. Mais si je me... Parce que là, en fait, en Hilary, t'es... Franchement, à mes yeux, mais t'es trop belle. T'es trop, trop belle. Mais pleure pas. En fait, Vincent, quand il est en train de pleurer, ben, il est en train de me dire en même temps « Mais oui, mais t'es trop belle et tout. Mais dis-moi pas ça, ça veut dire que tu te sous-estimes, que tu te rabaisses, que, ben, que t'as un manque de confiance en toi. Et si t'as un manque de confiance en toi, ben, t'auras pas confiance en moi. » Et confiance en toi. Parce que tu sais que là, même moi, je commence à saturer, à pas être bien, tu vois, parce que je sais que t'as jamais confiance en toi, que, tu vois, j'essaye de penser à toi, à moi, et là, franchement, je l'ai fait parce que je me suis dit, si je le fais pas, j'ai peut-être loupé un truc de bien, tu vois, dans ma vie. À l'heure actuelle, certes, mon couple compte énormément pour moi, c'est indispensable, mais il y a aussi ma carrière professionnelle qui joue beaucoup ici, et j'ai envie de réussir dans les deux cas. Si on commence comme ça, et si j'ai d'autres opportunités ici, comment il va faire? Comment il va le vivre? C'est comme ça, je t'aime plus que tout, Hilary. Mais moi, je pourrais tout te donner, en fait. Tout. Et moi aussi, je pourrais tout te donner. Arrête de pleurer. Je pleure pas, là, c'est bon. Ah. Elle me dit, Vincent, arrête de te comparer à moi. Parce que j'ai jamais été comme ça, en fait. J'espère vraiment que ça va changer, parce que je suis pas comme ça, à la base. Je suis un mec bien, à la base. Puis si je fais ça, je peux la perdre. Je peux pas avancer toute seule, faut que mon copain il ait confiance en moi et je veux qu'il soit fier de moi. Donc si je veux qu'il soit fier de moi, faut qu'il me laisse les portes ouvertes et qu'il me fasse confiance. Hilary. Ouais, dis-moi. Donc en fait ce soir c'est le grand soir, donc j'ai énormément de pression, premier casting en tant que DJ. En fait ce soir je suis en warm-up, etc. T'es quoi? Je suis en warm-up, c'est-à-dire en début de soirée, en fait. Tu sais, genre, c'est moi qui introduis un DJ, etc. connu. Ouais. Et en fait, je vais droit d'emmener deux personnes. Ouais. Donc, j'ai décidé de t'emmener toi et Vincent. Oui. Et là, bah, moi, je suis hyper contente et je me dis, Charles, ouf, t'arrives au bon moment parce que, voilà, faut que Vincent, il change les esprits. Nous, on sera là pour toi. On voilà. va t'encourager, on va t'ambiancer, on va faire tout voilà. ce que tu veux. Donc, ça me rassure, parce que forcément, je prends les personnes qui vont me dire ce qu'ils pensent. Mais qui vont le dire de façon correcte. Allez. Nico. Allez, ciao. À tout à l'heure, tout le monde. Salut tout le monde. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tout le monde est content que tu parles mixé. T'as pris tes clés et tout, t'as tout pris? Okay. Ton casque et tout. Okay. C'est bon? Ok. Okay. Et allez, c'est bien.
arrive. Donc j'ai énormément de pression, donc je suis accueilli par le patron. Et donc je me mets au platine. Et en fait, Charles, quand il voit les platines, il se dit... Et là, en fait, ses branchements, ça allait pas. Ouais, ok. Il est à l'envers. Ouais, il est à l'envers. Alors regarde, il est à l'envers. À l'envers quoi? Il marche pas. Il a branché comme une merde. Voilà. Ah, t'inquiète pas, Carlito, t'inquiète pas. Regarde, là, il tourne à l'endroit. Celui-là, il est bon, l'autre, il est pas bon. Bah, refais-le, frère. Ça casse les... Je me suis posé comme ça. Je me suis dit dans ma tête, faut pas s'énerver. Attends, je fais la tête. Ah, thank you. Et donc j'ai changé le fil et là tout a marché donc. Voilà, j'évacue. Ouais. C'est lui? C'est toi, Kaito? Ouais, c'est moi. Donc je commence à mixer, je me mets dans une bulle. Je vois Vincent, il arrive comme ça et tout. Et je sais que pour le coup, eux, si c'était pour eux, ils danseraient pas, ils me regardaient pas comme ça. Quand je l'écoute mixer, et ben Charles vend du rêve. Et Vincent, il est fier aussi de son petit, enfin, de son petit frère. Good. Come on, me. Le patron vient me voir au bout de 45 minutes de set. Merci. Thank you. I like you. I think you're a great guy and stuff. You were okay. I need you to get just a little bit better, but I want you to come back. So we wanted to have you back, like a second time, like a second test. Okay. And we'll have the club a little bit more packed, just more so you, fun, yeah, just so you can like feel the energy and really vibe off everybody. Thank you. Is that cool? Thank you very much. Yeah, you're very welcome. I'm glad. Nice to meet you there. Et il me félicite, il me gratifie et ça fait du bien parce que ça permet de augmenter mon moral de confiance. Donc je suis super content, je reviens, je dis à Hilary, etc. Il a bien aimé mon énergie, bon, s'il y a des soins, etc. Il pense que quand tu auras plus de monde, etc., ben là, ça va bien aimer, tu vois. Est-ce qu'il va te faire réveiller dans la soirée? Non, en fait, il va me rappeler, et cette semaine, je vais revenir. Et là, je me dis, je suis fier de toi, et ça déchire. Happy day, oh happy day. Mais tu chantes bien, sale folle. C'est vrai. Attends, mais j'ai pas entendu. Bah écoute, t'entends pas? Elle fait ça avec sa voix et tout. Sa voix, elle est un peu cassée et tout, ça déchire. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. Je suis choquée, regarde, j'ai des frissons, ça me balade. When is the swan, when is the swan, oh anymore. Oh, anymore, it just seems away. C'est là que Tracy me regarde, puis elle me dit j'ai des frissons, c'est un truc de malade ta voix, comment tu chantes, Gaëlle pareil. Hey, y a personne qui sait que tu chantes, tu sais? Bah non. Non. Tu chantes trop bien en plus, ça déchire. Tu devrais chanter plus et essayer de faire un truc. Attends, c'est ici t'as Hollywood, hein, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout est possible, elle est. Donc on voit qu'elle est contente parce qu'on la soutient quand même. Elle dit bah écoute, écoutez, je vais y penser. Donc c'est très bien, c'est très bien. Jordan, Christopher, on y va. C'est parce qu'on va rater Charles. On va rater Charles si on n'arrive pas avant. On se retrouve tous en bas, c'est l'heure de partir. Direction l'Eleven pour aller voir Charles. C'est bon? On arrive à l'Eleven et en fait là Vincent et Larry Charles sont déjà assis à table et en fait on est dégoûté parce que bah, Charles a fini son set. Ouais, il a trop bien géré. Bon, moi je dis bien, pour Epipi, pour Carlito. Ouais, ouais. Charles trop content, tellement content que ouais, il a pensé, ouais, j'ai essayé, j'adore, j'ai pu remixer et moi ça fait plaisir de le voir comme ça. Hé, hey, Coralie, comment elle chante? Tu pètes un câble. Elle chante bien, Coralie. Vous l'avez entendu? Bah oui. D'accord. Bah non, ça... Et en fait, on voit que Adixia est jalouse.
Du coup, on taquine un peu Adixia en lui disant que Coco chante mieux qu'elle, tout ça. Et du coup, on voit Adixia changer de tête. Elle est dégoûtée, la concurrence. Adixia, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Elle est dingue. Jalousie. Elle a peut-être un talent caché, on sait pas, mais pour moi, ça m'embêterait un petit peu parce que ben voilà, j'ai envie de rester la seule chanteuse et je veux pas faire de duo avec elle, même si elle, elle veut faire un duo avec moi. Moi, je suis Adixia. Adixia, c'est en solo et point barre. Ah, ça va, Adixia, on rigole. Oh. Elle chante bien quand même. Ouais, non, on rigole. Je rigole aussi, je rigole. On s'est tout de suite bien entendu, on est sûr. Par rapport à Christopher, il y a certaines personnes qui ont changé de comportement et qui sont devenues... un peu hypocrite en fait, qu'ils ont retourné leur veste et qu'ils lui reparlent comme si rien ne s'était passé avant. Et ça, je trouve ça plutôt bizarre. Allez, je demande pas non plus qu'il me pardonne ou quoi que ce soit, tu vois, mais à moi que je m'excuse, à moi qu'il me dit bonjour ou au revoir, quoi, c'est tout, voilà. Ce qui est énervant pour eux, c'est que Christopher, ils peuvent plus le saquer. Donc ils ont un très très gros problème avec lui de fond. Et que moi, je l'accueille les bras ouverts et que j'essaie de l'intégrer, ça dérange. C'est vrai que quand je suis avec Christopher, il me fait rire. Et voilà, quand il me fait rire, je rigole. Du coup, en fait, je vois que ça embête un peu Hilary. Hilary me fait une réflexion par rapport à ça. Je rigole, en fait, tu connais quoi? En fait, j'oublie pas ce qu'il m'a fait, mais tu vois, il est drôle quand même. Je sens que Tricia, elle va pas être en froid très très longtemps avec Christopher parce que ils vont vite se rapprocher, ils vont vite se reparler, et ça, je le sens. Voilà, je suis franche, je suis vraie et voilà, quand il me fait rire, je rigole et j'arrive pas à me cacher. Tout le monde est avec Christopher, tout le monde parle à Christopher, tout le monde rigole avec Christopher. Sauf que on nous calcule plus vraiment en fait. Après on continue un peu la soirée et voilà, ça sent la fin et on rentre à la maison, direction Villa. Ce soir en fait c'était trop bizarre, trop particulier parce qu'en fait tout le monde était près de Christopher, etc. Genre c'était une légende, etc. Il était là, il faisait rire. En gros c'était tous des faux culs et des mythos. On rentre à la villa, on a passé une bonne soirée et là en fait je pars voir Christopher. Il y a Tricia qui a des bagues dans la chambre. Je dis, oh non, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que je lui re-excuse devant tout le monde, quoi. Pardon pour tout, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il y a eu un approchement vers nous deux pas. Et puis. Mais je te pardonne pas quand même, j'oublie pas ce que tu m'as fait. Je t'aurais pu dire excuse-moi pour toutes les histoires, tous les bobards, tous les mythos que t'as inventés, Non mais j'ai envie de dire en face de toute la France, que toi. Ouais, alors voilà. Tu t'excuses? Ouais, okay. Je m'excuse pour toute la France. De tous les... Écoute-moi, non. Arrête. Non, mais t'es mal à l'aise. Mais t'es mal derrière le dos. Désolé. Ouais. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse énormément de tout ce qui s'est passé. De toutes les histoires qu'il y a eu. Voilà, t'as eu un approchement vers moi, tu m'as eu, tu m'as embrassé. C'est très bien qu'on peut pas oublier tout ce qui s'est passé, mais j'espère vraiment qu'on se reparlera comme avant, quoi. Ça va les faux culs? Moi? Non, arrête. Moi, je... Pourquoi c'est ma chouchou dans mon bois? Quoi, les faux culs? Oui. Oui. Oh là là. En fait, j'entends, ouais, de toute façon, dans la maison, il n'y a que des hypocrites, Moi, je descends directement voir Christiane et Christopher dans sa chambre. Je vais péter un plomb, mais un truc de malade, parce que vous, tous les faux culs qui étaient là autour de lui en train de dire que des conneries, et ben là, ils sont à côté de lui en train de dire... Oh, ça va, Christopher? Oh, non. Lui, il est en train de faire le teubé, tout le monde rigole autour de lui comme si c'était Dieu, mais faut arrêter les délires. Je suis anti-réseau, ok? Quand même approuvé. Maintenant, je veux juste te dire que je t'appuie... Vincent, Hilary ont des bandes de faux culs à Coralie. Jordan, il ne sait pas de qui on parle, mais il est parti en haut. Ah, c'est la guerre. Du coup, tout le monde débarque dans la cuisine, et là, la soirée dégénère. Allez, Loulou, j'espère qu'on vous parlez de faux culs ou autre, vous parlez pas de nous, quand même. Mais non, mais genre... Gaël, tout le monde ici l'a critiqué en fait. Tout le monde l'a critiqué. Non mais attends, par rapport en bas, j'ai dit quoi? À l'extérieur, hier, en fait, il y en a qui se cachent. Hier, attends, non, parce que moi, j'ai pas envie qu'on me traite de faux cul en fait. Parce que moi, avec Christopher, j'ai eu des problèmes avec lui, j'ai pas eu vos problèmes. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, j'oublierai pas ce qui s'est passé.
C'est clair que oui, ça me fait plaisir qu'il soit là. Et alors, il y a quoi de plus? Moi, je suis pas un faux cul. J'ai toujours dit ce que j'avais dit. Non, franchement, bah, Vincent, il m'a vraiment déçu, quoi. Ah, ça m'a rendu hors de moi parce que, bah, en fait, c'est lui le gamin, c'est lui le faux cul, en fait, dans l'histoire. Et ça, ça m'a pas plu. Donc, moi, genre, je suis une faux cul aussi? Sauf que là. Non, moi, je préfère ce que je t'ai dit, c'est juste ce que je t'ai dit à la fin. Écoute, toi, tu m'as dit tout à l'heure, regarde. Je t'ai dit quoi? Ouais, Christopher va aller devant moi, ouais, il me fait rire. Et toi, tu m'as dit quoi? Ouais, il me fait rire, mais je veux pas lui montrer, donc je me retourne pour rigoler. Bah, on m'a dit ça tout à l'heure. Quand il dit des trucs drôles, et bah oui, je me retourne et je rigole. Mais voilà, je rigole pas devant lui. Du coup, moi, ça m'énerve un peu parce qu'elle me reproche quelque chose qu'elle fait elle-même. Je fais ce que je veux, c'est pas parce que je rigole derrière que je suis une hypocrite. Parce que bah, moi, je sais pas me cacher parce qu'il me fait rire. Donc, Richard lui claque dans les dents. Là, c'est tellement bon parce que là, c'est le savon qu'elle lui passe, mais c'est drôle. Tu sais très bien ce que t'as dit ce matin. Par rapport à ce matin, bah, hey, dit, tout le monde le sait. Bah ouais. Je t'ai dit quoi? Encore tout à l'heure, je t'ai dit quoi? Ouais, parce que je n'ai pas oublié et je n'oublierai jamais ce qu'il m'a fait. Mais parce que le gars, il a fait. Allô, j'écoute. C'est juste qu'elle veut dire que pourquoi, quand il se marre, Non, c'est ça. Ouais, parce que. Allô, hé. À me cacher. Je suis désolée de rigoler avec Christopher, mais je lui en veux et je lui ai encore dit, je lui ai encore dit toute la journée et je lui ai dit jamais. Et là je pleure parce que je me dis, enfin voilà, c'est pas bien, enfin à la fin c'est ma copine et là elle pinche son manteau. En gros, quand on dit que les six, c'est pas une famille, c'est vrai parce que. Mais oui, c'est pas une famille. Mais c'est vrai. Mais oui, mais parce que tout le monde. Bah, dans la cuisine, tout le monde s'emmêle, tout le monde crie, tout le monde hurle. Je suis quand même devenu de moi-même. J'ai pas demandé que vous aimiez. Et puis voilà, je vous demande juste, bah, pardon, qu'est-ce qui se passait? J'étais vraiment love. Et puis voilà, l'amour, ça rend aveugle. Et puis je m'excuse, tout qu'est-ce qui s'est passé, c'est tout. Et puis bah, tout qu'est-ce qui s'est passé entre nous, bah, je peux jamais oublier. C'est pour ça que j'étais vraiment mal et tout. J'ai fait toute la route tout seul et tout, et ça m'a vraiment pensé à tout ça. Elle est quand même mon témoin. Putain. Christopher qui part en pleurs. J'ai jamais vu Christopher en pleurs. Donc, c'est que vraiment, mon délai, ça le prend à cœur et ça le touche. Je me dis, c'est trop facile de le voir pleurer comme ça et d'aller lui dire « Oh, pourquoi tu pleures? Pourquoi ça va pas? T'es malade ou quoi? Je m'en fous. Je reste sur mes positions. Je m'en fiche. » Bah, tu vois, c'est à base de et tout. Tu vois, ça me... Bah... bah oui, ça... Bah ouais, mais c'est... Enfin, tu bah, vois, je veux dire, il est... Enfin... Bah oui, ça... Nous, regarde, car comme mais moi, alors aujourd'hui, comme moi, pleure, non, mais regarde, mais non, non, mais comme moi, alors aujourd'hui, que je regrette tout ce que j'ai dit sur votre couple. Quand je disais que, ouais, Larry, c'est une nana, bah oui, je regrette. Donc, Vincent, pour moi, il s'est fait passer pour un pantin et qu'il a marché dans le jeu d'Hilary. Pour moi, c'est ça. Pour moi, Hilary, c'est une. Moi, Hilary, c'est mort. J'ai dit à Vincent, c'est pas moi qui va l'attaquer, pas du tout, parce que je suis pas comme ça. Elle me parle pas, elle me calcule pas, et ben tant mieux. Franchement, tant mieux. Parce que bon, non, non, mais si j'en reparle, parce qu'on est là, on en reparle. Non, mais ça, non, on en reparle. Non, attends, Vincent, on en reparle. Quand je disais, non, quand je disais qu'il a resté une. Et quand je disais. Quand je disais qu'il a resté une. Et que quand je disais que Hilary, elle t'aime pas, non. Alors mais d'aujourd'hui, des rumeurs, ta gueule. Non. Alors d'aujourd'hui, tu dis plus le mot là de ta bouche, sinon tes dents ils vont péter. C'est tout. Je m'en cale. Ça part en vrai. Moi, je deviens fou. Je suis énervé. J'étais vulgaire parce qu'ils m'ont fait. En fait, tout ce que j'ai canalisé, tout ressort maintenant. En fait, et. Et ça m'énerve de réagir comme ça, mais quand c'est trop, c'est trop. Alors laisse-moi parler. Non, non, je dis ce que je veux. Hilary, quand tu dis que c'était une. Mais tu dis pas ça. Ok, ça va tellement saouler. Jordan, je suis désolé. Alors, le mot là. Non. Déjà, on va se détendre. Je dis ce que je veux quand je veux. Je dis ce que je veux quand je veux. Le mot là, ça fait du mal au cœur. Vincent commence à péter un plomb, il commence à s'énerver. Et là, en fait, ils sont face to face. Et ils sont en train de se traiter. Jordan, dis-moi. Maintenant, mais je sais, que... maintenant, je sais, maintenant, mais avant. Que je le pense. Non, je sais. Maintenant, je sais, pense. Je sais. Mais avant, est-ce le mot là. Je le pense maintenant. Non, mais maintenant, donc, je sais. Maintenant, donc, je sais. Je le pense maintenant. Non, non, non. Je sais. Donc voilà, mais parce que j'ai ouvert les yeux. Oui, parce mais, que j'ai ouvert plus les envie yeux. Que tu le dises. Parce que j'ai ouvert les yeux. Mais je sais, Jordan. Et du coup, j'essaye de calmer les tensions. Je sais, maintenant, tu l'aimes bien, etc. Voilà. Mais le mot là, tu le sais. D'accord, tu dis plus rien. Parce que j'ai ouvert les yeux. Et oui, je sais. Jordan, je sais. Donc vous, mais le mot là, basta. Sur Kelly et Christopher plus tard. Donc maintenant, ouvrez les yeux et vous regardez Christopher. Oui. Christopher, certes, il pleure maintenant. Bah, on passe.
Oui, c'est trop facile, mais tout le monde a déjà pleuré parce qu'on a fait des conneries. Mais oui. En fait, moi, c'est con, mais ce que je veux retrouver, c'est bah, l'esprit de famille qu'on avait avant, quoi. Christopher, Vincent, Gaël, Jordan. Pour moi, c'est l'équipe. S'il n'y a pas cette base-là, et ben, rien ne peut se construire par aussi, en fait. Eh, hey, nous, on est là, c'est ce qui compte, non? Ouais. Déjà, on est déjà là. Il y a Jordan, il y a moi, il y a Tricia. Et tu sais très bien qu'on est là. Après, il y a les nouveaux, il y a Tricia aussi. Hey, moi aussi, je t'apprécie. Mais faut que tu laisses le temps. Aujourd'hui, je suis proche de lui, j'ai pas envie de le voir à l'écart parce qu'il a sa place autant que tout le monde, parce qu'il est là depuis le début, pour ceux qui l'ont oublié, en gros, et je suis pas d'accord du tout. T'es revenu dans la famille des ch'tis, peu importe qui veut pas, on s'en cale, tu penses à toi, nous on est là pour toi. Bah, en tout cas, tu sais qu'on est là, on t'accepte. J'ai quand même un mal au cœur, quoi, toi. Aller voir la famille comme ça, des ch'tis brisés comme ça, comme si que. Allez. Comme si que c'est un puzzle, en fait, qui a été soudé, et puis il y a un petit enfant qui vient. Qui met sa main, qui jette le puzzle. Donc pense aux choses positives, tu vois. Je n'oublierai jamais au... qu'est-ce que t'as fait. Ouais, ça. Mais t'inquiète pas. Mmh. Gaël me dit que voilà, j'ai quand même ma place ici, que toi, pas t'inquiéter et tout, que je me suis excusé plusieurs fois déjà là. Viens, on va voir Tracy en haut, parce qu'elle n'est pas bien. Viens. Viens. J'essaie de prendre Christopher et de l'emmener voir Tricia, parce que je lui dis, bah écoute, Tricia, elle est pas bien là aussi, elle a le même problème que toi, on va aller la voir, ça va lui faire du bien. Quoi, quoi, hein? Tu nous as manqué, hein? Mais allez, elle a un petit câlin en bas. Oh, ça me fait plaisir, tu peux passer après. Putain. Moi aussi. J'ai fait le maximum. Bah, c'est normal parce que, bah, au moins. Enfin, j'ai pas baissé ma culotte, j'ai comme galère. Il a voulu s'excuser en bas, il a commencé à pleurer, il est parti et tout. Ouais. Il dit ça va. Moi, il peut pas s'excuser plus que ça, tu vois. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Rien. Puis tu sais ce que je disais? Et le pire, c'est quand ça me dégoûte, c'est quand ils traitent tous. Ouais, Chabert, nanana. Ils ont été potes. Alors, il y a quand même deux clans. Il arrive Vincent qui parle pas du tout à Christopher. Et Christopher, nous, il est plutôt de notre côté. Du coup, c'est vrai que voilà, ça parle beaucoup. Même si je les aime bien, c'est mes potes, et c'est pas bien ce qu'ils font. C'est pas bien ce qu'ils font. Sérieux? Christopher, tu fais quoi? Christopher, viens! Peut-être que oui, j'avais dit que j'aurais fait payer à Christopher le mal qu'il m'a fait, mais j'y arrive pas. Allez, t'as pleuré. Allez, chut, c'est tout. Ça calme, t'as l'habitude? N'encourage pas trop. Merci. T'inquiète. Non, j'ai jamais demandé pardon. J'oublie pas ce que tu as fait quand même. Hein. Je sais, bah, mais je, tu me fais rire, bah c'est désolé. Ça que je veux dire. J'ai jamais demandé quoi que ce soit de me pardonner, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Néanmoins, la vie a continué, l'heure a continué à passer. Puis moi, je me cherche, excusez. Puis... T'as bien raison, j'espère que tu vas rester toute l'aventure avec nous. Tiens. Ouais, mais je te ferai quand un massage. Non. Ah, c'était un gros soulagement quand même, tu vois, pour moi. Il y a un moment, il faut quand même tourner la page, quoi, tu vois. Christopher, il m'a manqué pendant ces un an. Maintenant qu'il est là, je retrouve un peu la complicité qu'on avait avant. Ça m'a fait vraiment plaisir de reparler avec Tricia, etc. J'espère vraiment qu'on se reparlera comme avant, quoi. Toi, tu reviens, c'est le bordel. Merci, Christopher. De rien, ma chérie. On aime beaucoup. Je me suis réconciliée avec Christopher et c'est pas parce que Hilary et Vincent lui parlent pas que je parlerai pas à Christopher, c'est hors de question. On me dit pas ce que je dois faire, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, donc c'est comme ça. Ah, vas-y, dégage. À demain. Ouais, bisous, bisous. Voilà. Je monte me coucher, j'ai quand même 8 sur 10 qui sont à mes côtés, c'est déjà pas mal. Et puis je pense quand même que je peux ressoudre toute la famille ensemble. On va bien essayer ça, quoi, toi. Je reste quand même légitime motivé et puis voilà, quoi. On part se coucher, encore une fois, énervé de la fin de soirée. Mais moi, en tout cas, il est hors de question, encore à l'heure actuelle, que je parle à Christopher. Le groupe est en train d'exploser pour des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Et c'est dommage parce qu'on s'est toujours complété et on pourrait tellement continuer à se compléter. Mais on pense pas tous de la même manière. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je mets une belle petite robe pour aller enregistrer ma maquette. Ok, you. Are you ready? Yes. Je commence à chanter et là...
Peut-être que c'est le micro ou je sais pas. Mais... On dirait que c'était un moto qui partait, tu vois. Merci d'être venu quand même avec moi. Là, j'aurais voulu savoir un truc, Vincent et Larry. Ambiance très, très, très tendue. Bah, c'est pas la grande joie. Par rapport au mot focus. Machin, on est potes, bah non. Non, mais je sais très bien. Maintenant, il y a deux clans. Bah, j'ai qu'une confiance à 5000 voire 20 000%, c'est Larry. Vincent est jaloux parce que Christopher prend énormément de place dans la maison, là où elle tombe. Moi, je pense qu'à 3, il devrait avoir une discussion. Essaye, on en reparle. Ouais, on verra. L'humour, tu connais ? Va te faire. Pardon ! C'est quoi là ? Moi, je dis va te faire. Ok ? Ok ? This is Hollywood. Et n'oubliez pas, retrouvez Triple X 2 The Next Level avec Ice Cube et Samuel L. Jackson ce soir à 20h50 sur W9.